Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver de nouveau, j'espère que vous allez bien. Parmi mes recettes préférées pour un dîner léger, délicieux, facile et prêt en quelques minutes, cette délicieuse recette de pommes de terre au fromage, saine, nutritive, sans friture bien sûr, avec très très peu d'ingrédients. Alors j'ai pris deux pommes de terre, je les ai épluchées comme vous avez suivi, et je les coupe en fines tranches. Voilà. Vous trouverez bien sûr plusieurs idées de recettes à base de pommes de terre sur ma chaîne, à la poêle, cuisson à la poêle, au four, sans friture, des idées pour un déjeuner ou un repas du soir. Alors, après avoir coupé les pommes de terre, je les ai placées dans ce moule qui va au four. Bien sûr, ça dépend de votre choix. Ensuite, j'ajoute dessus un fil d'huile d'olive. Alors, pour les épices, petite cuillère de sel et poivre. Puis l'ail en poudre, du thym séché ou les herbes de votre choix. Et à la fin, les morceaux de fromage à tartiner. Et un verre de lait, l'équivalent de 300 ml. Et si vous en avez le choix d'ajouter le fromage à ce stade, vous pouvez le laisser à la fin de cuisson et vous l'ajoutez au-dessus. Maintenant, je le couvre d'un papier cuisson et d'un autre aluminium et c'est parti au four pour une cuisson d'environ 20 à 30 minutes. Le voilà après cuisson. Tellement bon, délicieux, plat de pommes de terre, facile et prêt en quelques minutes comme vous avez suivi et avec très peu d'ingrédients. J'espère que cette petite recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine.